Voilà, donc on reprend notre scène comme nous l'avions laissé dans la vidéo précédente et on avait créé cette petite boîte avec un papier rouge qui la recouvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un ruban autour de cette boîte et là le ruban que nous allons ajouter va faire le tour de la boîte dans ce sens-là, puis dans l'autre sens de manière à créer une croix autour de la boîte. Donc pour cela, plusieurs méthodes. Donc pour le moment, comme on apprend à utiliser Cinema 4D, on va utiliser les méthodes les plus simples et plus basiques. Donc on va recréer un cube que l'on va placer pile poil au même endroit que notre ancien cube donc qui représente la boîte. Et ce qu'on va faire, c'est avec l'outil de redimensionnement, on va agrandir le cube que l'on vient de créer tout doucement de manière à ce qu'il englobe notre boîte comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va se placer sur un côté du cube et on va réduire la taille de ce cube grâce au petit carré orange. Et là, on va créer un ruban de la taille qui nous convient. Donc là, ça va à peu près. Donc c'est parfait. On va déplacer ce cube, on va le surélever un peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre éditable. Donc une fois qu'un cube est éditable, on ne peut plus revenir en arrière. Donc assurez-vous d'avoir fait toutes les étapes auparavant, donc tout ce que vous voulez faire à votre cube. Et une fois que vous êtes sûr de pouvoir le rendre éditable, vous cliquez sur rendre ce cube éditable. Et maintenant, on peut travailler point par point, arête par arête et polygone par polygone sur ce cube. Et nous allons venir sélectionner l'outil de polygone. Donc là, lorsqu'on sélectionne ces outils, on peut avoir le nombre de polygones de l'objet sélectionné. Si jamais vous n'avez pas le nombre de polygones qui s'affiche, vous pouvez aller dans mode, paramètres de la vue, et là, il faudra cocher dans affichage frontal, voilà, vous avez total de polygones ici. Il faudra cocher pour pouvoir avoir cette option. Alors c'est intéressant puisque ça vous montre combien vous avez de polygones. Ça vous permettra de savoir si votre scène utilise beaucoup de ressources ou pas. Donc c'est toujours utile. Alors maintenant, on va prendre l'outil sélection de polygones. On va utiliser l'outil de sélection ici. Et ça nous permettra de pouvoir se placer sur certains polygones. Donc si on a l'outil arête, on pourra sélectionner des arêtes. Et avec l'outil point, on pourra sélectionner uniquement les points qui nous intéressent. Donc là, avec l'outil polygone, on va sélectionner ce polygone à l'avant. On appuie sur supprime pour le supprimer. On sélectionne le polygone de l'arrière, on le supprime. Et maintenant, on a notre ruban ici. Donc, tout est prêt. On repasse avec le premier mode de travail qui nous permet de déplacer notre ruban, et on va le redescendre. On va le placer juste au-dessus de la boîte. Donc on vérifie qu'il soit bien placé. Ok, donc là, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce ruban. Donc, comme la dernière fois, on va le prendre, le faire glisser, appuyer sur CTRL et relâcher. Donc là, on a un deuxième ruban qui s'est créé. On utilise l'outil de rotation et on appuie sur Shift. Shift, ça va nous permettre de faire une rotation que de 5 degrés par 5 degrés. Donc c'est beaucoup plus précis. Et on effectue une rotation de 90 degrés de manière à créer donc une croix. Alors on a supprimé des polygones tout à l'heure puisque un ruban est creux à l'intérieur. Ça veut dire qu'on a juste le ruban ici qui fait le tour de l'objet. Et on aura un petit espace entre le ruban et la boîte à cause du capuchon qui est un peu plus grand que la boîte. Donc là, on a quelque chose de plus réaliste. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau matériau gris pour ce ruban. Et ce matériau sera brillant et un peu qui reflètera pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer ce matériau. On va l'appeler ruban. Donc dans la couleur, on va rester en gris. Ensuite, dans la diffusion, on peut cocher la diffusion
pour diffuser la lumière que reçoit cet objet. Donc luminescence, ça va faire briller notre objet, donc pour le moment ce n'est pas ce qu'on veut. Par contre, la réflexion, ça on en veut. On va même ajouter ces matériaux au ruban pour avoir un petit rendu avec une zone de rendu interactif. Donc ce n'est pas la réalité qu'on voit, hein, c'est un petit aperçu. Pour avoir la réalité, il faudra faire un vrai rendu de la scène. Alors, le ruban n'est pas encore très très brillant puisqu'il n'a pas grand-chose à refléter en fait, hein, à part notre ciel bleu. Alors pour le moment, on va baisser la réflexion. On ne se met pas en 100%, on va descendre aux alentours de 20%. La couleur de réflexion, on va mettre plutôt les couleurs grises. On peut, si on veut, ajouter un bruit. Donc là, on va laisser le bruit par défaut. Petit aperçu. Donc, oui, on peut même baisser un peu l'échelle globale. Si on veut, on peut mettre du relief. Donc, comme pour la boîte, on peut ajouter un bruit avec une échelle globale réduite aussi. On va baisser l'intensité de l'échelle globale. Donc, pour revenir en arrière, on clique sur la petite flèche du haut. Ça ramène les paramètres. Et là, on va rester en 4-5%. Tac-tac. Réflexion, c'est bon. Spécularité, on va augmenter la spécularité sur la largeur. Et en hauteur, ça va faire quelque chose de plus brillant. On peut faire un petit rendu de contrôle. Donc là, le ruban n'est pas assez brillant à mon goût. Donc on va ajouter un petit peu de réflexion encore. On peut baisser, donc ça c'est bon, l'intensité du relief. On peut augmenter la spécularité encore. Donc c'est bien parce que là on peut avoir un rendu rapide en même temps qu'on travaille. Ça nous permet de vérifier directement ce qu'on est en train de faire. Donc je vais enlever la zone de rendu interactive. Et là le rendu commence à me plaire. Le ruban est plutôt pas mal. On va même ajouter encore un petit peu de réflexion. L'intensité, on va l'augmenter aux alentours de 40%. Après, on aura un peu plus d'objets à refléter, donc ça sera mieux. Et je crois qu'on va en rester comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, pourquoi pas, s'organiser en regroupant ces objets. Donc on les sélectionne, on fait Alt G pour créer un groupe que l'on va renommer en boîte. On va enregistrer cette scène, fichier enregistré sous. On va l'appeler étape 3 ruban. On enregistre et on se retrouve dans notre prochaine vidéo pour créer, pour améliorer en fait ce ruban.